Bonjour, c'est Zaz et je vais vous faire découvrir aujourd'hui une recette qui associe l'Ayurveda à la cuisine aux algues et surtout à cette belle saison de printemps qui s'annonce. Dans le principe de l'Ayurveda, en fait, il faut savoir que la saison d'hiver, c'est une saison où on accumule beaucoup de flegme, beaucoup de lenteur et de lourdeur. C'est comme une accumulation, un stockage d'énergie qu'il va falloir libérer au printemps. Alors, le principe, dans l'assiette que je vais vous composer, ça va être d'aller chercher la verdure qui sort au printemps ici dans nos alpages. Donc, on va avoir ici l'ail des ours. Qu'on trouve dans les sous-bois en général, qui doit son nom à l'odeur qu'elle dégage, l'épinard frais, des jeunes pousses de tournesol, et puis parce que le printemps c'est vraiment la saison des jeunes pousses et de la verdure, donc on va aller chercher tout ça, des petites primes vertes et des violettes qui sont des fleurs comestibles, de la pimprenelle qui est ici, et puis un petit peu de plantain. Voilà, donc on va composer une petite assiette de printemps qui va venir nous aider dans cette saison pour soutenir notre feu digestif, mais en même temps nous alléger avec de la verdure. Je vais composer ceci donc avec... J'ai décidé de faire des dolmades un petit peu à la grecque, avec du riz que j'ai beaucoup cuit, que j'ai ensuite broyé avec et que j'ai mixé avec à l'intérieur du tulsi, qui est une plante indienne. C'est le basilic sacré indien, c'est la reine des plantes en Inde. Et le tulsi, c'est une plante qui a énormément de vertus, dont on utilise essentiellement les feuilles vertes. Le tulsi, c'est une, ou tulasi, on dit aussi, c'est une plante indienne qui est un basilic qui rafraîchit énormément, qui aide beaucoup à la digestion et qui est de multiples vertus au niveau du système immunitaire, qui soulage le foie, le cœur. Au niveau du sang aussi, et qui apaise le microbiote. Donc c'est vraiment une plante qui, pour moi, au niveau de la saison du printemps, est idéale. J'y associe aussi ici du trikatu. Le trikatu, c'est un mélange qu'on utilise en Inde au printemps aussi beaucoup pour soutenir le feu digestif, qui est un feu de transformation, surtout au niveau de la digestion, de cette saison de printemps. Donc il y a 3 poivres à l'intérieur et du gingembre sec. Et ici... un gomasio que j'ai fabriqué à partir d'algues séchées déshydratées, des aromates que j'ai cueillies en montagne en fin d'été l'année dernière, c'est-à-dire de l'origan sauvage, du thym citronné et du carvi. Et pourquoi le carvi? Parce que le carvi, dans les plantes indiennes qu'on suggère au printemps aussi, le cumin, donc le carvi est une variation du cumin, on va dire, c'est une variante du cumin. On appelle le cumin des Alpes ici, c'est une plante qui aide au niveau de la digestion, qui aide vraiment au niveau du feu digestif. Et pour les gens qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, l'assiette que je vais composer, elle va associer les 6 saveurs, mais elle va aussi permettre de soutenir le feu digestif, tout en apaisant donc Vata et Kapha, et en dynamisant un petit peu Pitta, mais sans trop faire monter le feu. Voilà. Donc, le principe, ça va être de composer son assiette avec une feuille d'épinard, des poireaux cuits vapeur. Alors, les poireaux, on les cuit vapeur et on les utilise tout de suite. Hein. On ne cuit pas des poireaux la veille. Dans l'Ayurveda, on ne cuit jamais des légumes la veille. On les cuit, on les mange. Voilà, je vais mettre une feuille d'ail d'ours. Et ici, j'ai de l'algue fraîche que j'ai dessalée en 2 temps. Un premier temps pour enlever... le gros sel, et un deuxième temps pour réhydrater, vraiment redonner de la densité à l'algue. Donc là, ici, c'est de la dulse, qui est une algue qui est très intéressante pour ses apports en minéraux, et notamment en fer, en manganèse, en magnésium, en potassium, en sodium, qui est vraiment une algue très intéressante associée à la dulse pour les sportifs, et notamment les gens qui font de l'endurance beaucoup. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de wakame, un petit peu de dulse, de l'ail des ours, du poireau cuit, comme ça on n'a pas que de la verdure crue, ce qui va permettre au niveau du feu digestif d'avoir une bonne vitalité, de l'épinard cru. Je vais mettre aussi un petit morceau de carotte, ça c'est juste pour la saveur douce. Et puis je vais mettre au milieu ma petite mixture
à base de riz très cuit, de toulsi ou toulassi. Voilà. Je vais ensuite, ici, j'ai fait un mix de trois vinaigres. Donc, j'ai un soja fermenté, j'ai un vinaigre de cidre et un vinaigre de calamansi, qui est un agrume qui associe la mandarine à un autre agrume. Et j'ai fait macérer du carvi un petit peu dans ce mélange de trois vinaigres et un mélange de cinq huiles pour vraiment soutenir l'apport en oméga et en vitamine E. Donc là, il faut savoir qu'on a vraiment toutes les vitamines, tous les minéraux essentiels pour notre métabolisme. Voilà, et donc je vais faire ça à la grecque, comme des feuilles de vigne. Hop, un petit pic. Hop, je vais vous en faire deux pour la présentation. Tac. Donc on a notre poireau. De l'ail des os. Un petit peu de dulce et de wakame. De wakame et de dulce. La dulce, elle est, comme elle est riche en fer, elle a vraiment une couleur très ferreuse. Qu'est-ce que je vous ai pas mis? La carotte. Tac. Voilà. Et donc là, on n'a pas besoin de plaque de cuisson. On a juste nos ingrédients qui sont associés comme ceci. Alors pour la déco et pour l'apport aussi en minéraux, donc on va avoir des jeunes pousses ici, qui sont gorgées de la vitalité du printemps, quelques fleurs, de la pimprenelle, du plantain, des fleurs qui se mangent, en l'occurrence la prime vert, la violette. Il y a plein d'autres fleurs qui se mangent, mais là, ce sont celles que j'ai trouvées chez moi. Hop. Tac. Voilà, je vais saupoudrer un tout petit peu du mélange trikiatou, donc qui est l'association des trois poivres et du gingembre. Hop, un petit peu de gomasio aux algues. On va arroser du mélange d'huile. Hop. Les huiles, elles ont vraiment des vertus intéressantes pour pouvoir aussi venir nourrir nos tissus, nos articulations, être vraiment dans une information de nourriture des tissus. Je vais poser ici quelques tranches de radis violet parce que le radis fait partie aussi des végétaux intéressants au printemps, parce qu'on a l'amertume, on a donc là dans notre plat, on va avoir l'amertume, l'astringence, le piquant, tout ce qui est essentiel à dynamiser notre feu digestif. Un petit peu de gingembre frais râpé. Je vais remettre mon algue. Et voilà, une petite assiette de printemps pleine de vitalité, d'énergie, et puis qui aide vraiment à bien transformer cette saison. Merci.